Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre série originale de Emergency 4. Aujourd'hui on se retrouve donc sur le mode Barcelone en compagnie de Benjamin. Salut à tous. Donc du coup on est au niveau de la répartition, toi tu fais donc pompier ambulance, c'est ça? C'est ça. Et moi je fais police service technique. Alors vous allez me dire oui il fait police. Oui je fais police, pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un de dédié en fait vraiment à la tâche. Vous allez voir que c'est pas du tout comme le London mode. On l'avait surnommé le mode apocalyptique, hein, tu te souviens peut-être? Oui. Bah là à côté c'est rien en fait. Le Barcelona mode en fait c'est le mode sur-apocalyptique, tu vois. C'est ouais, un échelon apocalyptique, ouais. Ouais c'est ça. Bon on va y aller et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Il y a beaucoup de véhicules et donc il n'y a pas de mode cause, donc on va voir qu'on se repasse la main, etc. C'est un peu, c'est un peu ouf, mais on nous voilà. Signale un accident de la circulation impliquant plusieurs okay. Véhicules. Portez secours aux victimes donc, là, et évacuez-les. Sur secteur pour baliser légèrement. Il est où cet accident de circuit, mon gars? Ah, il est là. Hein? Il est où? Il est là, dans le coin, il s'est pris. Ah, je l'avais pas vu. Ok, bah je vais le baliser déjà, peut-être le principal. Donc, des incars, donc tu prends en fait en charge, moi je ramène ouais. Juste la dépanneuse. Je connais pas encore tous les fourgons par cœur, je tiens à le dire. Donc, oui. J'envoyais ce que je pouvais. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de véhicules, on est en mode défi, donc le début devrait être potentiellement calme, hein. Voilà, clairement. Oui. Hop, les véhicules sont pas dégueulasses, surtout ceux que j'ai sortis, c'est un truc assez simpliste, c'est une patrouille. Normalement, alors je sais, j'ai plus les moussos, je crois, voilà. Donc rien de compliqué. Ok, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, donc faire un déploiement rapide. Alors il est chelou ton véhicule de pompier, mon gars. C'est surtout que j'ai pas sorti le bon. Je peux avoir la main, s'il te plaît? Bien sûr, on découvre un peu en même temps. Je vais vous montrer après, il y a beaucoup de véhicules. Et c'est pour ça vraiment qu'on est amené à se perdre au début. Quand on les connaîtra, ça ira beaucoup mieux, bien évidemment. Hein. Ok, oui. En plus, je pouvais m'aider. C'est bon. Oui. J'ai trouvé comme un grand. Donc mon véhicule est plutôt bizarre, oui. Hop, et je vais bloquer l'autre secteur. Je sais pas ce que j'ai envoyé, mais je sais qu'il y a un truc dedans. D'accord, j'ai envoyé une ambulance des pompiers, je crois. Hop, je te refile la main du coup pour que tu puisses t'éclater. Effectivement, ouais. Une sorte de VSAV. À l'espagnol ou quoi? C'est à peu près ça. Alors, toi, est-ce que tu peux aller chercher maintenant? J'en ai marre. J'ai encore senti le mauvais truc. Et pourtant, sur l'icône, il y a écrit qu'il y a une pince dedans. Voilà, regardez un petit peu les véhicules pour vous montrer un petit peu à quel point ça peut être compliqué. On en a vraiment beaucoup trop. Véhiculo de salvamento. Bon, bah, on va essayer de salvamenter la voiture. La police, y en a de ouf. Regardez, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et ça descend encore. Voilà, là, ça y est, c'est fini. Niveau ambulance, il y a tout ça. Et après, bon, niveau tech, c'est tech. Hein. Mais regardez, oh, c'est... Oh putain, c'est j'ai trouvé. Tu l'as, c'est bon? Ouais, j'ai ma pince. Poussez-vous, les gars, j'ai la pince. Je suis la pince. Bon, elle est vivante. Okay, elle est vivante. Ça se passe plutôt pas trop. En même temps, on peut dire qu'on a fait un beau déploiement d'intervention, voilà, c'est ça. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Regarde, j'ai envie de la victime même. La voiture est la victime. Pour la remettre un petit peu en état. Allez, vas-y, exactement. Range-moi ça. Ok, donc le C8, je vais le payer comme ça. C'est le fourgon de désincarcération. Ça te dérange pas par contre, parce que niveau police, on sait très bien que c'est un peu tendu. J'ai essayé de sortir aussi une OPA, ça, par exemple. Enfin, je sais pas laquelle prendre. Auto Escalada, Pesada et Ligera. Bon, je vais prendre Pesada parce qu'elle a l'air de peser, genre. Oui, j'ai fait espagnol LV50 au lycée. C'est clair. moi, je vais déployer du coup des moussos hein, classiques. Je vais pas me prendre la tête. Il faut qu'on mousse. Ah ouais, non, ouais, moussos. N'oublie pas non plus de sortir des. Comment on avait appelé ça les. Fourgon transport en gros quoi. Oui effectivement, alors c'est vrai que pour retirer les suspects du coup il faut des fourgons de transport de prisonniers, voilà. Sinon c'est un peu compliqué. N'oublie pas non plus que les démineurs c'est les Telaxmosos. Voilà c'est ça.
Ouais, je le dis en même temps, comme ça, je suis sûr d'être sûr moi-même. C'est ça. On en est où ta victime là? Là on est bien, elle remonte vite. Là, j'ai envie de te dire. Elle est très belle cette ambulance, j'aime beaucoup. Bah, les deux sont très belles en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Franchement. Et il y a un système au niveau du fonctionnement des ambulances, vous voyez, il n'y a qu'un seul brancardier. Et ça, c'est franchement cool déjà. Alors elle peut back to HQ. Et du coup, je vais garder ça à proximité, je pense. Je vais me faire ma petite caserne, je te rappelle. Comme je faisais sur le Los Angeles. Ok. Parfait. Les messages radio, je sais pas si tu les as entendus, sont plutôt très très bien faits. Quand tu mets un véhicule en stand-by par exemple. On va regarder. Non, bah là j'ai rien. Pour l'instant. Ah oui. Tu l'as entendu ou pas? Ah oui. Alors c'est très faible, mais oui. Ouais, c'est vraiment très propre. Ok, moi je l'ai mis un peu en patrouille. Urgence médicale. Une personne vient de faire un sévère infarctus. C'est pour toi. Il faut la soigner et l'évacuer. Ouais, est-ce que même envoyer peut-être un hélicoptère, je pense. Ouais, est-ce que t'as besoin que j'enlève les badauds? Non, non, c'est bon. Il va se poser tranquille, je pense. Ok, bah moi du coup, je vais me garnir un petit peu. Alors, j'ai un véhicule très, très là. Joli. On croirait une sorte de bac. On va regarder un peu. Elle est très très belle, on croirait une BMW. Non, une Seat, pardon. Le truc qui a rien à voir. Ce mode est très très joli, je trouve. Ouais, c'est du bon boulot, je trouve. Hein. Perso, je vais la foutre un peu en haut. J'étais en train de penser à quelque chose, d'ailleurs, à ce propos. Dis-moi. Vu que c'était un mode... Tu gères barcelonais espagnol. Oui. Peut-être mettre une place des sous-titres, non? Qu'en penses-tu? Est-ce Pourquoi que c'est pas, difficile mais... à faire dans YouTube? Oui, ça peut être chiant quoi. Ça peut être chiant. Au pire, les gens ils ont Google Traduction. C'est le bordel. Tu as besoin de soutien, je pense. Oui, je vais avoir besoin de la main plutôt. Alerte au tremblement de terre. Il y a des dégâts corporels et matériels. Okay. Occupez-vous des incendies, portez secours. Je te propose que tu fasses les victimes et évacuez-les. Ouais, ok. Ça te va? Y a pas de problème. Dès que j'ai la main, j'opère. Ouais. Hop, tac. Ok. Je vais envoyer des fourgons mousses. Ouais, effectivement. Ah, des fourgons tout court. Demando avanzado. Mm-hmm. Je crois que j'ai besoin d'une EPA sur ma zone et vu que t'es l'hébergeur, je te conseille de le faire. Oui, je pense aussi. Victime. Pour cette victime. Oui. Alors, j'ai déjà un VSAV. Enfin. Non, on va pas dire VSAV. Il est dans le magasin. Ok. Ambulancia. Ça, c'est ça. Je fais la circu. L'ambulance est déjà sur secteur. Et le même pied à la circu. Voilà. Alors. Ok, ça me semble pas mal. Donc le fonctionnement de l'ambulance, il est simple. On doit déjà aller chercher la valise pour pouvoir soigner. Ensuite, le mec peut aussi se transformer en brancardier. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Bon, pas n'importe lequel, par contre, on en est très clair. Mais. Hop, voilà. En fait, il y a un SVA Technico et un infirmier, en fait. Donc là, tous les deux, on est prêts déjà. En bas, il y a une victime, j'ai pas pris en charge encore. T'as moyen de me filer la main? Oui. Alors, tous les deux, par contre, ils ne peuvent pas prendre le matériel en même temps. Et ça, c'est une perte de temps. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire? Que tu sélectionnes les deux gars et tu leur dises bah équipez-vous tous les deux dans le... Ah putain. Hop. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire moi? Alors suivant les véhicules aussi, ils ont moyen de se transformer en asthmate, etc. C'est plutôt bien foutu. Oui. Franchement, pas mal du tout quoi. Où est la dernière victime dans ce magasin? Ok. Est-ce que le feu est éteint? Très bien. Alors, est-ce qu'on a une victime là-dedans? Non, d'accord. Où est-elle? Dans ce bâtiment, peut-être. Je sais pas trop comment m'y prendre avec ce truc-là. Ok, il est là. Ouais. Est-ce que tu m'as descendu ma victime via le PA? Pas du tout.
Je crois pas qu'elle... Elle était sûre qu'elle est pas dans la boutique. T'es allé voir dans la boutique? Je vais voir. Parce que moi, j'ai personne. D'accord. Ok. Elle doit être dans la boutique, du coup. J'ai du monde qui fait le tour. Affirmatif, elle est là. Je la prends en charge. Ouais. Hop. Ok, pas de soucis, c'est gérable. Moi, mon feu est éteint. Ok, moi j'envoie quelqu'un d'autre dans cette boutique. Hop. Tous les deux, je leur donne des mallettes pour l'instant, et puis voilà. Ça brûle plutôt bien. Oui, oui, pour l'instant ça le fait, y a pas de souci. Faut juste que je fasse la prise en charge. Une conduite de gaz a explosé. Éteignez tous les incendies. Oui, et si nécessaire, bien. Portez secours à toutes les victimes. Je croyais qu'il y avait moins d'interpompiers de base, en fait. Il y en a moins. Il y en a moins, mais non, en fait, c'est ça. C'est ça. Ok. Je vais du coup rediriger mon OPA sur ce bâtiment. Ok, donc lui il est transportable, j'ai demandé de devenir brancardier et d'aller le chercher ici. Toi j'ai demandé de rentrer. Je fais attention aux dégâts des véhicules quand même. Ouais, ouais. Voir si ça descend au cas où, parce que j'ai pas encore fait l'expérience. Effectivement. Là, ici, c'est transportable. T'as besoin du Sva rapidement apparemment. Ce que je comprends. D'accord. J'ai un technicien Sva normalement qui doit traîner chez moi. Non, j'ai un technicien Orca ici. Normalement, j'ai un Sva. Il doit être quelque part. Non, j'en ai pas sorti. Ah oui, parce que j'ai une victime. Très bien. Ok. Je regarde. Ouais, j'en ai un, c'est bon. Ça en approche. Par contre, faut juste que je trouve la gonzesse à soigner. Je me place derrière ton camion de pompier, du coup, et puis voilà. Ok, donc là on a la personne avec le brancard ou pas? Comment ça se passe? Ah oui, elle est là, excuse-moi. Hop, voilà. Ok, donc toi tu peux aller chercher du coup un brancard. Du coup, je trouve ça un peu galère quand même de voir. C'est de la micro-gestion en plus de devoir sélectionner le brancard qui retourne le chercher, etc. Alors qu'il y a un mec qui pourrait très bien popper avec. Oui, aussi. Bah ça, je pense que ça peut se scripter, ça, mais bon. Ouais. Bah on n'est pas dans le but de modifier le mode Barcelone, hein, qu'on soit clair. Oui, oui. Là, on est juste là pour présenter un... Un mode qui change. Un mode qui change est très complet, du coup, hein, également. Et stable. Et stable, c'est aussi impressionnant de ce côté-là. Quand je t'ai posé la victime devant l'OPA. Enfin, le... Ok, reçu. L'auto escalara. Deuxième victime sur le secteur, c'est normal. Je pense pas. Au pied du bâtiment, oui. Au pied de la bouche incendie. T'as moyen de la. Actuellement, là, non. Mais je vais trouver le moyen. Tu peux me la ramener en haut, ce serait super. Elle est juste à côté, en fait. Hop, celle-ci est transportable, y'a pas de problème. Hop. Tiens, cadeau. Allez, prends-moi ça ici. Super. Ok. Et l'autre également reste transportable. Par contre, c'est à la main. Les casseurs ont formé un attroupement. Oh merde. Ils sont violents. Arrêtez-les. Bon, et ça a pu la merde, mec. Va falloir que je me démerde, c'est chaud. Prévois les pompiers d'ores et déjà. On va bloquer le quartier. Enfin, je vais bloquer le quartier. Et là, on a déjà les pompiers. T'as qu'un feu de civil à bloquer. Apparemment. Ouais. Apparemment. Ouais, ça arrive que d'un côté, donc tu peux bloquer que d'un côté. Tu fais un. J'ai déjà les monotov.
Non, apparemment, il faut quand même le tour. On a la bac, enfin la bac, une sorte de bac qui bloque. Oh, les mecs, ils sont assez agressifs, ils viennent sur moi direct. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur moi directement. Hein. Je vais essayer de temporiser. Et de les bloquer à partir d'ici. Bon, ça molotov. On va ramener... C'est t'as moyen de me filer la main, s'il te plaît? Du coup. Ouais, je suis en train d'envoyer un max d'ambulance. Enfin, je suis en train de chercher le truc qui a max d'ambulance. Et là, ça va être un peu le bordel, je pense. Ouais, j'ai sorti espèce de GIGN. Ok, du coup, on va envoyer... Tac, 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 tac. Ceci. Ouf. Ils sont un peu tendus, hein. On va les envoyer avec la tenue anti-émeute. Si tu peux encore une fois me la refiler d'urgence. Hop, je vais faire une petite déviation histoire qu'on soit posé. Ça arrive que de par là, ok. On devrait pas être mal. Hein. Ok. Bon. Ils sont où mes fourgons? Ils arrivent. J'ai mes victimes en bas. Donc, je vais m'occuper également. Hein. Ce serait pas mal. Tu pourrais prendre en charge ma dernière victime en bas? Ouais. Celle-là, je la back. Mets-moi un marqueur. Ok. Je me donne la main, du coup. Ouais. Allez, hop, toi, tu peux prendre la gonzesse, normalement. Enfin, j'arrive pas à récupérer... la victime. Voilà, je pourrais m'occuper du haut. Très bien, bon, il y a quoi qui se passe en haut? Ça se passe, ça se passe, ça se passe pas. Ok. Cassez-vous de là. On va se mettre en position sur le secteur. Prévu le service d'urgence, parce que je peux vous dire que ça va être assez compliqué. Apparemment, il... Ouais, de l'intérieur aussi, peut-être que ça sort. Donc faut... De l'intérieur, il faudrait peut-être essayer d'aller bloquer depuis l'intérieur. Ça arrive. Ok, bon là ça va le faire du coup. Je sais pas ce que j'ai envoyé un lampadaire. T'as envoyé un lampadaire? Un lampadaire, ouais. D'accord. Alors j'ai un bouton qui s'appelle triard et rideau. Je vais pas cliquer dessus parce que je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est pour trier les victimes. Sérieux, elle arrête là, moi, s'il te plaît. Hop, et on va faire la circuit aussi ici. Voilà, sinon, apparemment, sinon ça va passer. Tu peux envoyer la main, par contre, s'il te plaît. Oui, oui. J'ai. T'envoies ça. J'ai besoin de transport de. Tac, 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 tac. Ils sont où ces transports? Par contre, ouais, il y a trop de véhicules, c'est un peu le bordel, quoi. Je crois que je l'avais repéré avant. C'était celui-là, je crois. Cellular fourgon, ouais. Ok. Allez, on se met en position. Je crois que ça devrait le faire, là. C'est gérable. Moi, j'essaie juste de comprendre. Quel véhicule est quoi? Technico Olga. Allez, c'est parti. C'est ça que j'ai. Et le reste dans le bâtiment. Hop, et on fait le point là-dedans. Toi, pareil, hop.
Ah. Alors, des flics au sol, je pense. Ouais, c'est confirmé. J'ai deux flics au sol prochainement. La meuf qui cherche la merde, en plus, ça revient. Ok. Du coup, je cherche mon cellulaire fourgon qui devrait pas tarder. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous ? Hop. Et voilà. Ok, c'est bon. Stabilisation de la situation. Je laisse des flics à l'intérieur au cas où. Alors, je vous ai pas montré, ils ont aussi moyen de mettre un uniforme anti-émeute avec un bouclier. Cependant, quand ils portent un bouclier, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, pour le réalisme, à la limite, faire une ligne de bouclier, pourquoi pas, et derrière envoyer les mecs, ça peut passer. Ils ont aussi moyen de sortir devant le fourgon aligné, derrière le fourgon également aligné. Ils ont moyen de faire des trucs plutôt jolis. Il va me falloir un autre cellulaire fourgon, tu t'aurais moyen de me... Je sais pas où ils sont, je vais éviter de te l'envoyer. Oui, pas de soucis. Je vais éviter de te bloquer aussi. Très sympathique. Je vais m'envoyer un petit véhicule sympa également. Et ils ont des Opel aussi, manifestement. En banalisé. J'ai beaucoup de civils qui veulent rentrer dans la zone. Je vais essayer de bloquer un peu les venues. Je vais pouvoir le soigner. Hop. T'en es au niveau évacuation en bas ? Je crois qu'il y a des soins en cours encore. Ah, distinction pourrie. Hop. J'arrive. Tu m'as balancé 14 médecins sur deux types. Non, ils sont 4. Hein. T'as 4 types au sol. Ah, d'accord. Ah, bah oui, j'ai deux victimes, effectivement. C'est stabilisé là, niveau. Niveau méchant. Ouais, ça a l'air, ouais. Je sais que je peux pouvoir aller chercher un brancard, moi. Alors... Tac. Qui peut prendre le brancard ? Lui, il peut pas prendre de brancard. Et lui... peut. Bon, j'essaie de découvrir en même temps, c'est pas trop facile. Alors, j'emmène une victime, là, en bas, ça va être réglé comme ça. Il y en a une qui est dans la merde là. C'est-à-dire ? Celle qui est dans la maison, elle est plus transportable du coup. Elle est pas traitée celle-là ? Non. T'as des ambulances qui tiennent la circuit ici. Ouais, je sais, je suis dessus. Je vais voir ça, hop. Voilà. Alors, où est-elle ? Ah oui. Hop. Très bien. Attention, un fou furieux sévit dans la zone d'intervention. Ah, il faut l'appréhender, l'éliminer, Opel, l'évacuer pas, hein. Et occupez-vous de toutes les victimes. Celle-là. Alors par contre, la nuit, c'est la nuit. La nuit, c'est la nuit. Il y a des gens qui tirent sur des poteaux en béton. Je crois que le mec, il est... Je crois qu'il souffre d'une petite insomnie nerveuse. Il est énervé, le monsieur, je crois. Je voulais pas de pub dans ma boîte à courrier. Ah bah, il tire dessus là par contre. Hein. Ouais, mais mon véhicule. Ne résiste pas bien aux balles, oui. On est d'accord. Bon, il a arrêté, y'a pas de soucis. Hop, par contre, j'ai quelques lags. Tu trouves ? Ouais, c'est moi l'autre, j'en ai pas, théoriquement. Pourtant, j'ai rien qui tourne chez moi. Mais c'était le défaut lors du micro-test qu'on avait fait aussi, on avait du lag à un moment ou à un autre. C'est bon. Peut-être, oui. Ok. Je vais pouvoir envoyer des unités. Comment ça se passe sur le... Ça se passe que j'ai une victime transparente. Ah, intéressant. Plutôt... Ah, attends, avec lui peut-être.
pouvoir faire quelque chose. Non, même pas. Ouais. Plutôt perturbant, là. Je me doute. Moi, j'aurais dit pas pratique, mais après, chacun son truc. Ah ouais, sauf que je la vois plus. Hop, alors celle-ci, elle est transportable, du coup, maintenant. Oui. Ouais, je ne la vois plus. T'as combien de victimes? 5. 1, 2, 3, 4. Ah bah là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, en fait, ils peuvent transporter la valise plus le brancard. Une conduite en fait, de gaz a explosé. Éteignez tous les incendies. Et si nécessaire, portez secours à toutes les victimes et évacuez. La main, s'il te plaît. Ouais, tiens, cadeau. Par contre, on a eu un bug ici. Okay. Est-ce que tu as vu ce que c'était? Oui. Oui, j'ai bien vu que j'allais rediriger un peu de mes effectifs. Oui, effectivement, ouais, c'est ça. Dans l'idée. Il me faut l'idée, ouais. Il me faut la main, surtout. Que et tu on va pas, envoyer c'est que tu as. Une sorte de gendarme. C'est parti. Je vais envoyer ce que je peux. Avec ce que j'ai. En cherchant mes radioactifs. Ah, c'est quoi ça? Equipo di Malsion para Rescata Aquatico. Non, ça fait pas très aquatico. Aquatico? Non, ça marche pas. Pas aquatico, non, il me faut pas de l'aquatico. Bomberos, Ambulancia. Ah, mais non, mais je suis un peu bête moi. Ils peuvent se changer. J'en ai oublié. C'est pas encore fini là. Non, large disturbance il me progresse. Donc pour l'instant, c'est pas. Quoique. Non, toujours pas la large disturbance il me progresse. Hop, tu tombes bien, toi. Tu vas me faire le malin plaisir de bloquer le secteur. Ouais, j'ai quand même de la grosse latence hein, sur le truc. Je peux pas y faire grand chose, je crois. Et je pense que ça vient du mode, clairement. Je vais essayer de renvoyer les ambulances que je peux à la base. Hop. Rediriger. Ah ouais, c'est très compliqué. Alors, qui peut se changer ici? Equipo NRPC. Ah, tu peux pas t'équiper là-dedans. Okay. Allez! Putain, j'ai trop de lag, c'est ignoble. Y'a rien qui est fluide. Il y a un vrai souci d'optimisation, je pense. Ça doit charger la RAM ou quoi, j'en sais rien, mais il y a un vrai problème. Je n'arrive pas à poser un bloc. Voilà, ça va un peu mieux. Ok. Est-ce que je peux ? On va essayer de se préoccuper de l'extinction. En premier lieu. Effectivement. Cool que je ne trouve pas le moyen de me changer en biologique. D'accord. J'ai vu des médecins qui étaient capables de le faire, mais bon, ils tiennent pas de lance encore, pas pour l'instant. Ouais, je vais chercher dans les bulles. Qu'est-ce qu'un bulle? Hop. Non. Bup BNP. Mm-hmm. Ambulance. Direction. Ouais, bon. Super Aquatica. Ah, Crimico. Par là, normalement. Risco Crimico, j'ai trouvé. Ok. Bon, je crois que. On a pas mal de gens. J'ai essayé de faire une dérivation aussi. Alors, je n'arrive pas à faire rentrer ça là-dedans. J'ai un bateau qui veut pas passer. Un bateau? Oui, un bateau. D'accord. Très bien. Il ne veut pas manœuvrer. Alors, moi j'ai regardé la large disturbance, c'est toujours en progrès. Est-ce que t'as.
Des ambulances qui sont en train d'être envoyées, oui. Que je libère le flux de gens. Tu peux, je pense, libérer, les ambulances sont parties. Hein. Ouais. Le conteneur Himiko, c'est ça? Apparemment, c'est ça, oui. Vous allez essayer d'aller vous changer, les gars. Ah, eux ils peuvent pas, apparemment. Qui peut se changer ici? Ça me semble pas mal. Ok, l'élargissement c'est terminé. On va pouvoir rentrer tout le monde. Je vais essayer de comprendre. Hop. Non, alors lui il se change pas. C'est lui qui se change pas, mais eux ils se changent. On va porter les renforts sur le secteur. Camion des conteneurs. D'accord. Ah! Alors, déjà, le gaz est terminé. Donc ça, c'est une bonne chose. Regarde l'animation. Ouais, je vois ça. Oui, c'est un conteneur qui descend. Ouais, je l'avais déjà vu. Plutôt pas mal en soi. Plutôt pas mal du tout. Est-ce que je peux aller me changer là-dedans du coup? Ah oui. On a commencé à avoir déjà nos premiers blessés. Ouais. Ah bah apparemment c'est plus chimique. Non, 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 je te l'ai dit, c'est plus chimique du tout. C'est l'avantage. Ok, je vais essayer de prendre une mallette. Donc je me suis un peu fait... avoir. Cacahuité par le fait que je ne pouvais pas... Alors les tenues chimiques ressemblent à ça. Orange, hein, très orange. C'est orange. J'ai essayé d'évacuer les véhicules. Alors, est-ce qu'on a des messieurs qui sont encore debout? On n'a pas des barres de redirection sur tous les véhicules. Je vais les accompagner, ces véhicules, pour bien m'assurer qu'ils sortent du secteur. Et ils déconnent pas, hein. Alerte au tremblement de terre. Il y a des dégâts corporels et matériels. Occupez-vous des incendies, portez secours. Là, mon truc chimique, oh merde, oh, oh, oh. Et évacuez-les. Oui, oui. Alléluia. C'est chimique. Oh merde, c'est chimique. Et on a raté un truc. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est peut-être que. Ouais, compliqué là. Oh les boules. C'est plus chimique en bas, je peux dégager ou pas? Tu peux faire des choses, oui. Le secteur. J'aurai besoin des renforts en haut de toute façon. J'aurais bien aimé comprendre comment marche le... Oh, tout le monde se casse, mon gars. T'as beaucoup de gens qui se dispersent, on dirait, là. Non, sérieux? Ouais, je dis ça, je dis pas grand-chose. Non, non, bah dis pas grand-chose. Mec, faut... non, mais... faire un truc, là. Mais il faut en faire un truc maintenant, quoi. Oui. J'ai essayé de faire quelque chose à l'intérieur. D'accord. Le seul truc, c'est que j'ai une grosse latence de port. Et que les mecs, ils réagissent quasi pas à ce que je fais. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir faire ça. Si je me change. Voilà. Faut que j'arrive à... Oui. Qu'est-ce qu'il faut que j'envoie moi du coup? Des choses. Des jolies petites choses. Ah putain, il est infecté. Merde, chier. On va essayer de faire le mieux qu'on puisse. Ok, lui, plus besoin. On va le rediriger. Oh, le nombre de mecs. Et en bas, en plus, on a des victimes à gérer. Oui. Oui. Alors par contre, ce qui m'emmerde, voilà, mes unités ne répondent pas du tout. Il y a un gros souci d'optimisation en fait, quand même avec le mode. Hein. Faut dire ce qui est. Optimisation. Ah, il tourne quoi. Mal, mais il tourne. Ouais.
Il est lourd quoi. Ok. Bon là j'ai bloqué un afflux important. On va voir pour... Voilà. Je vais essayer de voir pour bloquer en haut. Parce que là il y a pas mal de monde. Ils sont pas encore infectés mais ça va ne pas tarder. Ça y est, il commence à être un peu... Il me faudrait la main, dude. Et du coup, il faut que j'envoie mon ambulance, moi. Hop, là, j'ai toujours mes deux mecs. Je peux éventuellement prêter main forte. Oh là là, pour récupérer les gens. Et lui est sorti de map. C'est plus radioactif déjà. Ok. Je vais essayer de récupérer les gens là qui se cassent de map. Non, mais laisse-les sortir de la map au pire. Ah, c'est redevenu radioactif apparemment. Les victimes en bas, c'est pas du tout géré. Non, pas du tout. On a perdu une victime. Ouais, la main, s'il te plaît. Ouais. Ouais. j'ai une voiture de police qui a fait la thug avec... avec le passage à niveau, je me suis dit, oui, non, non, mauvaise idée. Plutôt, on va éviter de faire des bêtises. Je vais ramener des fourgons sur le secteur, essayer de choper les victimes. C'est plus radioactif, tu me dis ? Apparemment pas. Ok, on va contenir encore le secteur, quand même. Hop, on vous bloque dedans. Allez, c'est réglé. C'est redevenu radioactif. Oh, sympa. Non, on ne sort pas. Il passe à travers le périmètre. Oui. Quelque chose de très récurrent, on va dire. Tu peux te faire amener près de tes azmates, là ? Je ne regarde pas le jeu. Enfin, au moment, moi, j'essaie de regarder un peu ce qui se passe en bas. Mais... Ok. J'ai dans un cimetière, je crois. C'est le bordel. Ok, là le mec il peut aller me la mettre ici. Je t'ai rassemblé hein, les victimes. Hop. On va mettre un flic là-dedans. Ça, la voiture va pouvoir bouger. Et on progresse. On a des gens qui quittent la map par le haut, mais tant pis, ils mourront sur un autre district. Hein, c'est plus notre. C'est le mec. Ouais. C'est même plus notre business, quoi. C'est. Voilà. Hein. Hop. Est-ce vous ? Non, ce n'est pas vous, c'est vous. Parce que on a un incendie de bâtiment, un incendie de véhicule. Où ça ? Juste au-dessus de mon camion et au-dessus de lui. Ah, attention. C'est bon, je protège un peu cette fois. Et t'as le bâtiment qui a pris feu aussi à côté. Du coup, on va avoir des victimes, des gens qui vont être. Je vais essayer d'en évacuer un maximum du coup. Avant que le feu les atteigne. Hop. Tac.
un peu compliqué là, mais j'ai réussi à gérer ce feu là. Ouais, ouais, ça va, puisque là je te ramène tout le monde, donc ça. Ok, c'est bon. Ce mec là, je te l'arrête. Il court en plus, le mec qui a peur de rien. Ok, ça se passe bien. Ah, bien. Ouais, ça se passe. Ça se passe, quoi. J'essaye de faire ce que je peux où je peux, avec ce que je peux. Dire ça comme ça. Ouais. Hop, moi je te ramène mes unités qui sont en sale état, qui vont pas tarder à crever également. Ok. Et là, je peux en libérer le secteur. Tout le monde est pris en charge en théorie. Il y a un mec là qui traîne. Oui, ils arrivent un mec pas qui est infecté normalement, qui est par là, voilà. Mais qui se balade. On va l'arrêter aussi. C'est qu'est-ce que c'est qu'il faut là? Quoi? T'étais dit quoi? C'est pas. On a des carcasses de véhicules. Ça vient que j'ai la main du deux. Oui, oui, tu peux. Cette personne, il lui faut un médecin d'urgence et ce n'est pas ce que j'ai apparemment. Prends un sabre ou un médico. Ouais. Je vais aller évacuer ce monsieur là-bas. Ça me semble pas mal là. Oui, ça va pas faire grand chose apparemment. Hop. On a des victimes qui tombent. Je vais essayer de gérer en bas aussi. En haut, j'ai des médecins, je crois, mais... Je te ramène des médecins en haut. Je te ramène des, des médecins en 4x4. Hop. Voilà, on va se faire un périmètre véhicule. Où sont mes unités là? D'accord, j'ai un médecin. Ouais, c'est quoi comme monsieur? Alors, si t'as la main quand même, n'hésite pas là. Ouais, ouais, ouais. Je te ramène du renfort hein, sur le secteur. Je suis trop habitué. Alors, qui est à qui là? Volkswagen, les véhicules. Ok. Je veux dire, c'est normal, c'est un mode allemand, mais pas du tout. Non, bah non, pas du tout. Ils sont en mode pollueur. Ah lol. Humour. Oui, oui, oui. Ça tombe, ça tombe. Je fais ce que je peux avec. Ils sont des asthmates en haut là. Ils sont ici, ils sont pas. Je comprends pas. Ouais. Tu les as rembarqués, je crois, dans tes... Oui, ils sont dans ton FTP chelou, là. FTP, ouais. Ouais, fils de pute. Je sais. Donc, j'ai pas des médecins qui étaient censés arriver, moi aussi. J'ai été technica, là-haut. Je sais pas si je peux embarquer tes gens, là-dedans. Je gère des victimes au sol, là, pour l'instant. Donc, pour le coup, n'hésite pas à t'occuper de... Oh là là. Ouais, bah lâche-moi un, peut-être j'essaye. Dac. Tu veux lequel là? N'importe, bah tiens. Monsieur, lui là, allez ouais. Hop, tiens. Je peux pas le mettre là-dedans, c'est ça qui me perturbe. Tu peux me filer la main s'il te plaît? Ouais, mais j'ai pas de. Décontaminateur. Bah pourtant, c'est ce que j'ai envoyé apparemment à la cellule là. En fait, je pense qu'il faut attendre qu'ils meurent. Et on les ramasse tous. Mm-hmm. Ah, c'est vachement pas top. C'est pas un truc qui appartient aux ambulances, ce genre de business? Essaye, regarde, peut-être si tu trouves quelque chose. Surveillance médicale, des aéries. Je regarde un peu. Ils les évacuent pas dans les ambulances classiques?
Si, si, ça marche, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Bon bah écoute, on envoie une armée d'ambulance, hein. Et on va traiter ça à l'hôpital. On va dire ça comme ça. Bah bien sûr. Non mais oh. Bah on se passe vite la main, hein, qu'on peut. Ok. Je vais essayer d'envoyer la même ambulance à chaque fois, comme ça je me retrouve. On est un peu en train de tomber. Hop. Normalement ma cellule elle peut transporter des choses mais elle sert à rien. Pour l'équipement sûrement c'est tout. Bah je vois qu'elle a 4 places dedans donc normalement t'as de quoi la de personnes. En théorie oui. Ouais je suis d'accord. Mais bon la théorie tu L'animation est bien foutue quand même hein. Ouais certes mais bon aussi. L'animation est bien foutue. Le mec il va rager. On n'a pas de PMA chez eux par contre. Oui, enfin maintenant peut-être je l'ai pas trouvé mais. J'avais regardé la fois je crois. Bon l'armée d'ambulance vient d'arriver. Peut-être bouge les flics. Ouais. Chaque fois je me trompe, c'est gants bleus qu'il faut prendre. Tac. Alors ça c'est les tiens. Évidemment. Hop. Je prends ce que je peux. Ouais, t'inquiète. Je prends où je trouve. C'est ce qu'il faut, hein. Hop. Là, si on fait pas le JT de TF1 avec ça, mon gars. Moi, je dis, je sais plus où on va. Ah, garde ton plus beau sourire, peut-être que ta maman te verra devant la caméra d'un présentateur sexy. Ouais. Ou pas. J'essaye de compter le nombre d'ambulances en fait depuis tout à l'heure que j'ai envoyé et je me dis, mais il y en a combien là? Ne compte pas, voyons, pourquoi tu fais ouais, ça? Envoie sans compter. C'est. Tu te fais du mal, je comprends pas. Dis pas ça à ta femme, hein, prends sans compter. Lol. C'est la carte bleue qui va chauffer. Ah, je peux mettre un panneau. Mec, je peux mettre un panneau police. Ah, c'est intéressant, merci. Ah non, je viens de voir, et ça peut bloquer la route apparemment. Pas con, pas mal. C'est où que t'as fait ça, je regarde. Là où il y a toutes les embûches en fait. Panneau police. Ce que je ne vois pas. Pourquoi vous êtes panneau police? D'accord, bah, je le vois pas. À l'intersection, tu vois pas? Non. D'accord, bon. Peut-être pas synchro du coup. Je peux pas le supprimer. Ah, si. Je vais demander à un mec de le reprendre, comme ça au moins, pas de galère. Ok. On en est où niveau embu? Ça va. Je viens. Passe bien. Hop. Ça dégage. On va te ramener du coup faire quelque chose de propre quand même, faut pas déconner. Voilà, allez rentre là à l'intérieur, ça peut rentrer dans l'ambulance. Si je te jure, force un peu. J'ai un hélico qui veut pas décoller je crois. Ah si, hop. Attends, à chaque fois je me trompe, je prends le mauvais type quoi. Tac. Alors quand même, on va clôturer rapidement en audio sur ce mode. Déjà, faut pas être un novice dans Emergency pour pouvoir y jouer. Oui. Clairement, faut connaître un peu le délire, le fonctionnement, urgence les mécanismes. Médicale. Une personne vient de faire un sévère infarctus. Il faut la soigner et l'évacuer. De monde sur le secteur. Mais là, niveau ambulance, là. Là, y a pas trop de problème. Hop. Donc voilà, faut déjà pas être un mauvais, sans prétention bien entendu. Faut avoir un minimum d'organisation, plus que d'habitude, parce qu'il y a plus de micro-gestion. Ça c'est oui. Ce que j'ai pu remarquer également. Hop. J'aurais peut-être pas dit micro-gestion personnellement, parce que il y a plus d'actions à faire. Ouais voilà.
C'est ça que j'entends par de la microgestion en fait. Hein. Est-ce qu'il faut un ambulance là du coup ou pas? Non, ça va pas suffire. Attaque de victime là-bas. Ouais. Mais j'ai un brancardier qui est bugué là. Donc, Hop. Ah, parce que c'est un technico et le mec. Ouais, d'accord. J'ai compris. Genre de mec qui fait chier quoi. La foudre a frappé. Vérifiez s'il y a des blessés ou des départs de feu. Hop. On va l'envoyer au HQ, elle déconne. Je suis toujours bloqué avec mon bateau au passage. Sérieux? J'ai même pas vu ton bateau. J'ai tellement de monde autour que là je ne vois rien. Hein, parce... Tu peux pas passer en fait. Hop. Tu peux me le marquer? N'empêche, il est classe. Il est classe. Il y a des panneaux qui me bloquent. Peut-être les ambulances aussi. Ah oui. Ah tiens, hop, t'es mal garé. Salut. Truc d'enfoiré. C'est quand même un truc horrible. Pour s'être fait emmener sa caisse plusieurs fois, je peux te dire que c'est vraiment horrible. Ah là là. Ouais, mais on est dans l'emergency, ça compte pas. Bah, tu peux la bouger, t'as des balles en fait après. Oui, oui, il me faudrait juste deux embûches sur le secteur là. Bah, y'en a une qui est censée arriver, mais elle est bloquée par une des planètes. Tu mens. Là, j'en ai envoyé une. Hop. Y'a un feu en bas apparemment. Ouais, mais il pleut. Ça marche ou pas? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai la dernière dépanneuse qui est censée arriver. Dépanneuse, ambulance. Oui, ambulance, pardon. Ouais, ça dépanne bien les gens, une ambulance, mais. Ça dépanne. Bah quoi, Sio? Oh, c'est une blague plus ou moins. Attention, juste. Des casseurs ont formé un attroupement. Non, non, ils moi sont je prends violents. Plus là. Arrêtez-les et évacuez-les. Vas-y, viens, on les défonce. Ouais, si tu veux, je viens d'envoyer un truc là. Alors, hop, on va faire ça bien. Tu m'envoies la main, s'il te plaît? Ouais. Hop. Alors, par contre, il n'y a pas de militaire. Il y a une sorte de gendarmerie, mais voilà. On va essayer de bloquer un peu le truc. Ah, mais. Ah non, c'est pas au même endroit. Il fait beaucoup de sous. Dixit, le mec, il vient d'en remettre. Tu sais combien? Ouh, t'as failli prendre ta jauge, toi. Alors voilà, je vais juste vous montrer comment on peut sortir les unités. Ah, non, je le vois même plus, tiens, d'ailleurs. Pour les sortir en ligne et tout, tu sais? Ouais, ouais. Non, si, je sais que... Hop, je vais quand même vous montrer aussi... Ah, ils peuvent se mettre en ligne par rapport à quelqu'un. D'accord. Regardez, plutôt classe quand même. Les mecs, ils rigolent pas, quoi. Donc c'est plutôt cool. On va du coup... y aller. Allez, t'as tué tout le monde, quoi. T'as pas déconné. Et je vais juste vous montrer également, hop, les boucliers. Je vais faire sortir les gens et vous montrer. Alors c'est con qu'ils sélectionnent pas les unités qui sont sorties. Il faut beaucoup de monsieur de dépannage. D'accord. Et la tenue anti-émeute que je vous montre du coup, qui est là comme ça. Et les Alors boucliers. Moi j'ai trouvé le bouton déployer si tu veux. J'ai fait un déploiement en haut. D'accord. Et du coup ils se mettent quand même en ligne. Ouais, il me faudrait beaucoup de... Beaucoup d'évacuationnaires. Transport de prisonniers. D'évacuationnaires. Hop. Normalement c'est celui-là. Voilà. Hop, c'est en trajet, tout à fait. Hop, toi on va te rentrer. Dernière ambulance, on va pas le laisser au milieu de la route, pauvre garçon. Quoique on est assez salaud pour le faire, mais bon. On a une once de respect quoi. Pas déconner. Et on va ramasser le cadavre de ce monsieur. Le mec a trop de respect autour de lui quoi. Le cadavre de ce monsieur. Voilà. On a aussi moyen de mettre des cônes. Alors les cônes espagnols sont un peu spé. Alors, je vous laisse en juger par vous-même. Ouais, c'est le petit triangle par terre. C'est ça, ouais. Ah, tu m'en as envoyé 4, donc c'est par vague de 4.
Donc voilà. Bah, il m'en faut juste un deuxième en fait. Juste un... D'accord, bah refile-moi la main et puis t'auras ça. Hop. Bah tu l'as là. C'est réglé. Donc voilà, les boucliers sont plutôt pas mal, mais par contre, quelqu'un qui a un bouclier ne peut rien faire avec. Donc je sais pas franchement à quoi ça sert du coup, puisque ça fait pas de redirection de population. Ça, je sais pas, à moins qu'ils se mettent en ligne éventuellement et du coup qui empêche les gens de passer. On va tester, mais on a un petit incendie aussi en bas. Ouais, rien de bon, méchant. D'accord. Par contre, il peut se mettre en ligne par rapport à son collègue d'à côté, et du coup, ça c'est franchement pas mal. Connu, je trouve que ça marche donc, ouais, ça marche plutôt pas mal. Alors regarde, bim. Et en faisant ça, du coup, ça bloque un peu, je pense. Tu peux rembarquer le dernier truc là. Ok. Donc voilà, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. De toute façon, on a fait un peu le tour du mode, vous l'avez vu. Moins compliqué que ce qu'on avait fait pendant les tests, du coup, quand même, faut le dire. Je vais faire aligner tout le monde par rapport à lui pour tester. Et puis, bah sinon voilà, c'est vraiment un mode qui est plus compliqué. Il faut vraiment en avoir conscience au moment où vous le lancez. Peut-être qu'il est un peu gourmand par moment, qui va vous faire laguer, franchement, parce que là, je tourne à 15 FPS. Donc, c'est pas franchement sexy, même si vous voyez rien sur la vidéo. Donc voilà, et puis sinon, bah, on vous remercie d'avoir maté cet épisode. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à nous donner votre avis dans les commentaires. Et puis, bah, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo, d'ailleurs sûrement sur le mode CSP. Voilà, bon allez, ciao. Bye bye.